Donc, on n'est plus. Donc, parce que quand on regarde sur la liste des pays signataires de ces conventions, conventions internationales, donc vous allez nulle part trouver les Comores. Contrairement à certains pays, donc à certains pays voisins, donc comme le Zanzibar, l'île Maurice, qui sont membres de la convention de 1924. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a vraiment un vide, mais là, sur mes recherches, j'ai trouvé des textes qui parlent du droit maritime, mais c'est des textes très anciens, donc pour les trouver, il faut aller au CNDRS, donc fouiller les journaux officiels de 115 et avant 115 pour les trouver. Et vous allez trouver certaines pages, certaines pages qui ne sont pas là, qui sont arrachées, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que là, donc, je peux peut-être dire qu'il n'y a pas de loi récente donc, en matière de droit maritime. Donc, il y a ces textes, et moi-même, je n'en ai pas vu d'application de ces textes. Donc, j'ai vu certaines décisions qui ont été rendues par la justice relatives au droit maritime, et je n'en ai pas vu d'application là-dessus. Donc, ce que je peux dire, je ne sais pas si vous allez en venir ou pas, mais il y a un projet de loi donc, du Code maritime qui est déjà voté à l'Assemblée, mais qui n'est malheureusement pas jusqu'à présent promulgué, parce qu'il n'a pas eu la signature du président. D'accord. Cette loi est votée à quelle époque? Si mes souvenirs sont bons, donc c'est en 2013. Donc 2013. En 2013. Déjà, au niveau du texte lui-même, donc le projet, donc la loi devait déjà être en vigueur, mais comme il n'a pas été promulgué, donc voilà. Ok, donc j'espère que Monsieur le Président entendra ce message et promulguera ce texte, puisque effectivement nous allons certainement de plus en plus nous heurter à ces problèmes. Mais il me semble que j'entends souvent parler de l'OADA, qui serait une organisation concernant le droit et où les Comores sont membres. Est-ce que même au niveau de l'OADA, il n'y a pas de texte sur le droit maritime? L'OADA, c'est une abréviation, donc Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, ils se sont réunis, donc, les Africains, pour se dire que nous, on va faire des lois donc, concernant le droit des affaires en Afrique, sur lesquelles les Comores sont membres. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, mais comme vous l'avez souligné, l'OADA travaille par des actes qu'on appelle des actes uniformes. Donc, pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, donc il y a 9 actes uniformes pour l'OADA. Et il n'y a aucun acte qui traite le droit maritime. Donc, même si on est membre de l'OADA, mais pour l'instant, l'OADA n'a pas traité de questions maritimes. Donc, et si on fait référence à ces textes-là en droit maritime, c'est qu'il y a des lacunes. Donc, voilà. Mais cela, pour moi, comme je l'évoquais, c'est une bonne chose. Donc, voilà. D'accord. Merci. Donc, vous suggérez que l'OADA puisse effectivement compléter sa panoplie de droits avec le droit maritime. Mais j'en ai parlé avec des spécialistes, des grands spécialistes, et ils me disent que si ça va se faire, ça va tarder. Donc du coup, pour les Comores, je pense que la meilleure des choses, que les Comores se dotent déjà donc d'une loi pour le droit maritime. En attendant, si ça se fait après pour l'OADA, c'est mieux. De toute façon, même si l'OADA traite les affaires maritimes, nous, on est censé avoir notre propre droit maritime. Tout à fait. Donc, comme il y a déjà le code, qui est déjà le projet du code qui est déjà adopté à l'Assemblée, donc, je vais profiter de cette occasion pour faire appel à toutes les personnes concernées, donc, qui se manifestent, afin que ce projet soit promulgué. Très bien. Effectivement, quelle est la conséquence? Vous avez montré par votre anecdote une des conséquences de cette absence de loi. Mais sur le plan général, quelle est la conséquence de cette absence de droit maritime, notamment quand on sait qu'il y a des sociétés qui sont là, qui s'occupent de la gestion des conteneurs, qui s'occupent de les remballer, les renvoyer à l'extérieur, etc. Par exemple, je ne sais pas, ça fait partie du droit maritime, mais si un docker se fait tuer par la chute d'un conteneur, par exemple,
Est-ce que ça fait partie du droit maritime? Comment ce cas-là peut être jugé? Les conséquences, comme vous avez évoqué, donc, d'une absence de droit maritime dans notre pays, c'est que ça va embarrasser nos juges. Parce qu'en fait, je ne vais pas remettre en cause nos juges, donc ils sont compétents, ils ont fait les mêmes universités que les Occidentaux, là il n'y a aucun problème, mais la différence c'est que les juges occidentaux, par exemple, ils ont des textes. Quand il y a un litige, quand il y a un différend, ils se réfèrent au texte directement. Donc, ils font par exemple, tel article a dit tel, et puis ils appliquent. Donc, à contrario, si on n'a pas de texte, nos juges vont se trouver, par exemple, à prendre des décisions de... Peu importe, mais s'il n'y a pas de référence précise, ça va poser un problème. Peut-être la décision, elle sera bonne ou pas, mais là, ça va poser un problème. Donc, c'est vraiment le gros souci. Et j'ai rencontré des personnes qui se sont rendues compte qu'on n'a pas de droit maritime. Mais là, la personne en question, elle a été vraiment heurtée. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que les Comores n'ont pas jusqu'à présent, donc, ne serait-ce qu'un code maritime? Parce qu'à la limite, si on était adhérent aux conventions internationales, là, à la limite, on pourrait faire appel à ça. C'est bon, ça pourrait marcher. Parce que même les pays qui ont des lois internes, mais là, ils adaptent leurs lois en fonction des conventions internationales. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de conventions internationales, on n'a pas notre propre loi, donc, et il y a des différends tout le temps. Je vous ai cité un exemple. J'en connais pas mal de personnes qui ont eu pas mal de problèmes, des conteneurs surtout, parce que c'est surtout les problèmes qui sont fréquents. Donc c'est les problèmes qui concernent les conteneurs. Et là, il y a des décisions peut-être qui est un peu contradictoires. Mais là, s'il y avait une référence, une base légale sur laquelle on se réfère, peut-être ces problèmes ne se poseraient pas. D'accord. On va peut-être aborder un autre angle de ce problème de droit maritime. Disons, aux Comores, tout le monde sait que nous avons une organisation qui se trouve à l'extérieur, qui s'occupe de l'immatriculation des bateaux du pavillon comorien. Donc, bon, moyennant peut-être des commissions, etc. En cas de conflit, je prends un exemple, on avait cité, les journaux avaient parlé d'un bateau battant pavillon comorien, qui s'est retrouvé plongé dans des affaires louches de trafic ou d'armes, etc. Et qui est responsable à ce moment-là? Est-ce que c'est les Comores ou bien c'est cet organisme et les gens qui gèrent ce bateau? En matière de droit maritime, comment on peut juger un tel cas? Si un bateau pavillon comorien immatriculé par cette société, qui a une délégation bien entendu des autorités comoriennes, fait quelque chose, viole la loi, voilà, qui paye en fait? Monsieur Aboubakar, je ne pense pas pouvoir donner une réponse précise là-dessus, mais là, à mon avis, donc vu qu'on n'a pas donc une loi interne sur ça et qu'on n'est pas membre des conventions internationales, je pense que c'est le contrat qui parle, c'est le contrat. Parce qu'en principe, dans ces cas, le contrat peut stipuler que, en cas de litige, c'est l'arbitrage ou bien c'est tel organisme qui va régler les différends. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que le problème se poserait. Mais je ne vais pas, par exemple, dire que ça sera la faute de l'État comorien ou bien de l'autre État. Surtout, ça va dépendre du contrat. Bien sûr. Ok, c'est une réponse tout à fait logique, je pense. Maintenant, on va aborder une autre question qui n'est peut-être pas dans votre domaine de recherche, mais qui peut effectivement, éventuellement, faire l'objet d'une publication, parce que nous sommes dans des pays maritimes, des îles. Donc, la mer, c'est notre source de vie, en même temps, nos sources de problèmes, puisque tout ce qui vient de la mer, ça peut être bon ou mauvais, mais tout vient de la mer. Or, il arrive des fois que nos propres pêcheurs imposent des limites, des espèces de frontières entre telle région et telle région. Les pêcheurs d'Iconi n'ont pas le droit d'aller dans telle zone parce que c'est réservé aux pêcheurs de Salimani, etc. Et parfois, il y a vraiment des conflits assez importants. Dans quelle mesure on peut prendre en compte ce genre de conflit dans l'ensemble des lois et des règlements
vous qui les connaissez bien, sur qui gère un peu l'espace maritime, donc à savoir laisser les droits de la mer à ce moment-là. Hein. Voilà, comment peut-on aborder cette question? Quels conseils donneriez-vous hein, pour qu'on arrive à résoudre cela? Moi, je pense que quand on fait la délimitation des mers, donc, elle se fait d'une manière globale. Par exemple, la mer comorienne, elle est délimitée. Nous savons nos frontières par rapport à nos mers voisines. Hein. Et là, si j'ai bien lu, les Comoriens peuvent pêcher librement dans nos mers. Qu'ils soient d'Iconi, de Chindini, peu importe. Ça veut dire que pour moi, une personne d'Iconi peut aller pêcher dans la mer de Moroni et vice-versa. Donc, je pense que c'est surtout un problème gouvernemental, donc essayer de trouver une solution là-dessus. Mais là, pour moi, je n'ai pas vu d'obstacle là-dessus. D'accord. Voilà, exactement. Donc, autrement dit, on peut même contester la notion de mer d'Iconi ou de mer de... Pour moi, mer, la mer, pas... Je n'ai pas vu. Le magistrat, bien sûr. Je n'ai pas vu de... D'accord. Donc, parce que la délimitation, elle se fait d'une manière globale, donc au niveau de... Oui, alors là, nous posons un autre problème, puisque là, j'ai compris votre point de vue, mais effectivement, dans la délimitation de la mer, de l'espace maritime, en fait. Bon, je pense que le gouvernement avait fait délimiter la mer en fonction, justement, peut-être par rapport à cette odeur de pétrole dont tout le monde parle. Je crois que c'était une Allemande qui a été prise pour venir faire ça. Et puis, tout d'un coup, on entend que, par rapport à Mayotte, donc la République française, voudrait une autre délimitation qui tienne compte de l'espace maritime mahorais sur le plan donc, du droit de la mer internationale. Vous qui êtes donc spécialiste du droit maritime, pardon, comment cette délimitation de l'espace maritime des États se fait? En fonction de quoi? Est-ce que c'est des repères? On dit, bon, là, est-ce que c'est des mesures? Est-ce que l'espace de la mer est lié aussi à l'espace aérien, le droit? Est-ce que c'est lié, ces deux choses? Il y a une convention internationale qui est connue sous le nom de SOLAS. Donc, c'est une convention qui délimite, en quelque sorte, c'est la référence. D'accord. Donc, tous les pays qui délimitent, par exemple, les mers, c'est en fonction de cette convention. Donc, c'est environ, si je me souviens bien, 200 000 marins, comme ça, par zone. Ça dépend. Donc, de toute façon, il y a des normes bien précises sur lesquelles les États se basent pour délimiter les mers par rapport aux pays voisins. D'accord. La référence, c'est pour les mers intérieures, si je me trompe pas, c'est 200 000 marins. Donc, la distance, c'est en fonction. C'est en fonction. D'accord. Mais il y a toujours des... D'accord. Les pays se basent sur cette convention pour délimiter les mers. Ça s'appelle SOLAS. Oui, SOLAS. Elle est connue sous le nom SOLAS. SOLAS, ouais. Très bien. Bon, c'est intéressant pour nos chercheurs futurs. Hein. Bien, alors, maintenant, on va aborder une autre question. Bon, nous avons, par exemple, ce problème de transport qui augmente, mais nous avons aussi des problèmes qui se posent loin de nos côtes. On ne sait pas, on n'arrive pas à le savoir, mais par exemple, le dégazage, il y a des bateaux qui arrivent et puis qui lavent un peu leur cale, leur moteur, et qui déversent tout ça dans l'eau. Bon, bien sûr, ça entraîne une certaine pollution. Et qu'est-ce que les Comores peuvent faire, ou une nation quelconque peut faire, contre ces gens-là qui salissent la mer? Est-ce que le droit permet des poursuites ou... Oui, il y a une convention dédiée à cela. Donc, je pense, si je me souviens bien, que les Comores sont membres de cette convention. Donc, s'il y a des problèmes là-dessus, ils doivent se référer soit en apportant l'affaire au niveau du tribunal international. Donc, peu importe, à partir du moment où on a adhéré à la convention qui traite ces problèmes. Donc, si nous avons un problème, on doit faire appel à cette convention. Oui. Très bien. Alors, dernière question. Avez-vous un message particulier à adresser aussi bien donc, aux autorités, ça vous l'avez un peu abordé, mais à adresser aussi aux étudiants de votre pays qui voudraient aller dans ce domaine que vous avez inauguré, le droit maritime? Quel conseil donneriez-vous? Le conseil que je vais donner à toutes les personnes qui nous suivent, donc, ou aux personnes qui souhaiteraient faire du droit maritime,
parce que pour moi c'est très important, parce que d'abord ça va être un message global. Donc, mais le droit maritime en particulier, donc, comme je l'ai évoqué, donc, c'est un droit très enrichissant et dont on a besoin dans tous les coups. Donc peu importe qu'on le veuille ou non, mais on aura besoin du droit maritime. En plus, c'est un droit pour moi qui est novateur ici au Comores, parce qu'il n'y en a pas. Donc, déjà, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le président de l'université sur ça. On a évoqué ce problème et ils m'ont dit qu'ils ont l'intention d'ouvrir dans notre faculté de droit, droit des affaires. Donc déjà, on aura besoin à des personnes spécialisées, ne serait-ce que pour enseigner à d'autres personnes le droit. Sachant que, pour moi, c'est le droit privé qui est vraiment fructueux par rapport aux autres droits. Parce que le droit public, là nous avons nos avocats qui sont toujours là, qui ont, la plupart de nos avocats ont fait du droit public, donc où ils sont presque tous au barreau. Il y a certaines personnes qui ont pu ouvrir leur propre cabinet. Mais si jamais on diversifie un peu, c'est ça le message. Si les gens qui veulent faire du droit se diversifient un peu en faisant, par exemple, le droit des affaires, ne serait-ce que le droit de l'entreprise, le droit bancaire, le droit des sociétés, donc ça va être très important que par rapport à l'état actuel où presque tout le monde fait du droit commun, donc même s'il y a des exceptions, mais généralement, donc nos juristes, généralement, donc on fait du droit commun, donc ils se retrouvent tous au barreau, presque. Oui, donc autrement dit, vous incitez les jeunes à se spécialiser. Exactement. En droit, au lieu de faire droit, bon, mais il faut être aussi droit de la mer, droit des affaires, droit de l'entreprise, droit des banques, etc. Ouais, parce que c'est. Y a exactement. Beaucoup plus. Il y a plusieurs droits. Ouais. Donc, au lieu de faire droit public, nous avons des banques là qui viennent s'installer. D'accord. Demain, donc, il y a déjà le droit de la propriété intellectuelle qui est déjà en Europe. Certainement, donc, il va être transposé ici. Nous avons besoin des spécialistes en ça. Très bien. Si tout le monde se spécialise en droit public, qu'est-ce qu'on va faire? Merci, messieurs Ali Hamada. Je suis très content d'avoir participé à ce débat, en quelque sorte. Hein. Et j'espère que votre message a été entendu, hein, par aussi bien le gouvernement que par les jeunes qui veulent faire droit. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, et j'espère vous retrouver quand vous aurez publié, n'est-ce pas, votre ouvrage, et on pourra approfondir un peu plus ce débat. Merci beaucoup.
tabasamu lako maua, mwendo wako na maringo inanipeleka wingoni, moyo wangu simama, nimepata kipenzi mimi kwako nimefika. Oh la la la, kwa mwingine sitaki. Oh ya ya ya, nikikuona ni kama nakuona wakio wakio. Ah, you want it a million, natakuwa wewe tu. I will choose you anytime. Matu ya huyu vaga ukuri mwezi, yeah. Mungu auva uzuri na ujuzi, kweli sibira ukana nyongo, oh, oh. Nabia kutahan fanyi trongo, teko yonti baririke pamoja, yeah. Hilo ilenewa, wala usidara umahaba yangu, yukaya sinampaka. Usiane mali ya mimi, milele mimi na
Waangalizi watukufu, mdoge matangazo ya RTC, assalamu alaikum. Ya sherehe ya dunia hesuha ngejo endelea mfumo tikabil ne mada ya taulu wa mahaunu ndo mjitole yo hawama hesuha ya huwakazi omuhundi yo shawiri ya majaya harmo mji wa ezi moroni doto ramu olilo ne madhamana wa hilameri ya moroni zinu mengoni mweneze madam shinzi za himisi tarifa habari ya hatu ya makatianu. Maha kumena mili ranzi ya televizyon ya toifa ya buwe milango ikande tarehe mfukare ya Avril mahazuzi lina sita ya uerte sengi ya juma wandali ya barnama jimbal nambali zione sao umuhimu wa hesherehi inu na huinika le picha la lingana niyo. E masihu ya hea huwa inu mahafali ya usome Kur'ani nyitukufu gendeli yao harmo mji wa Mwanza Zambwani. Wanazija na wenji ika uona faswaha ya usome Kur'ani nyitukufu watau za urenga funvu ili utukuza hesherehi inu. Shwabaha usun mwana zijana watu hondana na bakti jainu, horenga mfano wahu wana nyau, wadu hanza na wama ya Kur'anil Karim. Wenji wa maelezo ndu haru mazi tarifa habari za hatu zijao. Ya waziri wa hununu hamshirikia nunu jumi ya madaula hawirli ya harumwe komisari ya dhaminishi wa hununu hadara jahilisi wa langazija hapara watangaza jihabari harumamuna anuifumta nunu hun moroni. Emadhumuni ndo huashirisha wakazi jumu mwendeleyo itare infukare ya Avril Kabil ya sherehi ya dunia ya hesuha ne madata ulo mahaunu do mjitoleyo hawama hesuha ya huwakazi. Ahmed Abdala Husena Ahmed Nasor wakahadhwir akimplasa ngurniko unjitoleyo. Ya majadiliano ya kitangaza jianu ya tarishiwa ne wizara ya hununu ihuntanya ujimlifu wa huwa taalamu wa habari za hununu na shinu shabasha utongeza uwashangirizi wa hununu watie baoni umuhimu neze natija za hema falianu dogone saukaya usiku unu nguwafikio ye sherehi ya mongomfukare ya hele kungumanyo la hununu omes. Inu namna ya uhashirisha umpuongayo wa hununu wa taifa. E couverture santé universelle inu. Ikanti ukaya haina raia. Hei namna maisha ya lunayo. Na haina mahalali yo ya hundoji hiro. Lijoka litwahirifu. Lijom sahilisha ya tirumie mapesa wakati ya wasulu lepitali. Sha gaibidiyo si maraia. Rijitengeleze haruma e masharti ya joko balia le katibalinu le jotongeza mruyefa nishihamwade ya shinendo lopitali ya tuzisiwa harama ya mali. Wakati wakautilwa le zihiru haruma almata ani likurubie maraia tibahi ni mada ya rengwa ya uhusu onono wa hena binadamu hena mahala jondi hana eremani wade ya hunde zihiru le joli kadi kamilifu bila uzisiwa aina harama itoko yonzi wakataji wasili holopitali. Ye omesi itungi ya hamuhimu ya unika haki ya mkazi ya kemnono. Iyo demane kao idaula ya Komori, irende hama na shama, ranzide tarehi ya shihwi na majana shenda na mungonfukare na ndradaru. Nana ujadidisha mishirikiano haruma ze barnamaji za hususiana nununu. Ye komuni ya Moroni hawadzima na le kunguma nyoli parwa odome gwa ujuma uhansi la mashini za udotahani na utuja ya majaya ya malahoni. Inu tartibu ya utaha umtambaziwa ya majaya harmo mjiwaezi zikaze kifu ngedi ngohi umjiwaezi unikiwe sharafa shaki mjiwaezi sawa ne ya haule mengu. Samira Abdul Wahid Nkurniko unjwa maelezo na renshe mapicha ya Said Ibrahim. Baada ya mkataba wa tomhono nilichama la dume ni serikali ya mikoa ni ya Moroni haudotungua imajaya na uyafanyia hazi za swana ezi hazi zisazinjanziani vanurizambao wai sangwa warmezi hazi za mrekebesho ezana waduka ufanya hazi harmeshi wanza shanregesha zamani sha Moroni ikoni unu do mahala ni ezi hazi za utungua imajaya zijoka ufanyiwa zinu kontineri 12 na monto 10 mfukare ezjoka ufanya hazi za ulingai majaya hamazi mtanata za unjiwani. Komandezi moto, zijoka unjia hamazi difera kati ya urekipere majaya zi triyozo, uriki wa jiwati. Ritena wende foyo wiyo, wende na uirenga ya ukulaze kontineri, zijoka upartajewa, minu wa hangizu yavu, gazendona wanyisi wanyisiwa,
za ushinda wandua difference majaya za nilo zikembali za jao zikembali haini kategori mboya wano indela zenongo hizo shafikiri aruma mwezi vangu besika vendela ukaza kontineri nerangu awuntanu jao purkweri rieseye na indela nesansibiyo kontineri nsanu zjobali ya range mbali na mbali nga zjobu hansiwa haruma zinsananza za homu jiwaenzi ili utafautisha homa halani hautria imajaya Kwa kwezi triage, kwao chukuka hema kuopua na zifalasika na makartasi, ziduka mbali mbali. Kwa ama yunge juu, yunge juu, nesa mwe kontener, kwa kontener ni lazimu itilo mayungu fulani. Haukubeli kadha itilo mayungu fulani, katula, kwa magari ama lazimu to zinu, wakundura maseti mbuhivu, rijari mwale daholiu, rijari zifanyeli siklaisa hazo, rijari jelu ya vaha, mbalikata na kwa sazi kumuvangu, sari zimonteze moto, shabanga sari mwaseraji. Ya sarzi monter zisanga nyapia na sarmo de serage ma le cause bulo kateleza serewango ngandro zisere lopia ndiri ndise hazi ye shombo sha ufanya hazi ye majaya ya shahula ili utowa umwenje shisa shisa hazi haizo ye sirkali ya mikoa ni ya Moroni ngomba o Mungu ezi hazi za hau zikaze kifu vanu no mwezi wa utu mwajoti ya barnamaji ya mhashirisho wa kazi ili waone sai namna wajoka utsungua imajaya. Nandele one taarifa habari ile baki ya lararu la humkonti wa mwando wa daraja dunia wakausherehi ya mahajana mzalihani huu wa Dr. Sedo Marabdala Mnibaraka lendele ya yaho wainu. Ni loli kalishinjia hamadambili, usilamu, dini ya amani na nombulu wa jumba la tarehi la maimamu wa Afrika ya Masharik Nekomor. Sofiati Ibrahim binti Muhajuna Amadambaraka wakahadhir na dunge Melezaid. Usilamu, dini ya amani na mwelewano. Miongoni mwa zemada, za dhukuru lwa harumu wa imajadiliano, yatanganya wataalamu wa masuala ya dini. Haini mzimadao, haileza hauvenufu ye mishinzi ya hedini ya Kiislamu. Ben Aisa Hamdi, mtaalamu wa dini ya la harumu wa inti ya Kanada, hasisindri ya juu ya humuhimu wa Obama ya amani, haurenga mfano wa mwenye baraka. Yadhaminishiwa zehabari za kidini ho wizara ya zehabari zobonze ya Faransa Jean-Christophe Harengo Mrongo ili udhukuru omwano nezitendwa za kifujari haone sauka kabati dini ya ruhusu zitendwa hamada zinu zijirisiwa mwelewano miongoni mwaze hulka za kana Said Abdalla mwenye baraka Mrongo ikao ihansi alama hosoni mawandu wenji baada hakamna shio ni hadra Mungu hadra nezu mbeza hahe hadra haya nshio no wanadamu na wanduru losi na o mushkila rilo ni yole ondo ukaya ngasina ujinga ikao ngo tungesao ya ukaya nga mwanzo ya mroji ya kehe na mnamimi na zao kushan tukubali ya ukaba nune zi mungu ya hanza wanadamu wakewe njie maya hangu ya nuweo masanu shayo tisawa na mungu ya hanza kwa nenge haka hadhari kesa wasu kwa nsipi ya hadukari fanyajaku zemu ni baraka yonde ya ilmu ya hahe itonga sahoku wande wa ilmu hashindi hawana neroho, hawana nujinga, harandi hemru wa ya ukubalo wanada mupia, kithanekari jari tu ali ya ukwa ni wakijanibu ya ki ruhi, yani ya ki mboe spiritualiteshi shizungu, yani ya ki eroho ya ukamanada mawanena nafsa mwaya hae, shiringa rujushi nda ya alimu ya mze mwini baraka, inufaisha jana, inufaisha iluduno nufaisha maulu, hukule memu wananyora, ya mbogo hamaza zeku. Izwe maranya watanabahi, wanazio ni wakomor kwa tusomesi wa yetarehi ya wandu hamada wanu, mfano mwenye baraka. Kranzile wa mfikiriye laboratuari ya universite ya Afri, wajambi sotate mwenye baraka, sawana Descartes, sawana Spinoza, sawana wa mafundika wa kulikodu wa soma armole mengumafi, uka ikande kapasite nikeena sawana wa hawata watoa, yonde mbano wika wa inifanya furaha, zisonda wikawa nga normale kolokwi. Kwenye ngo hii, wangwado shukuria, sevu, aweze jitihadi, aweze manu wa nainzi, kabula wejafa. Sandra Tiransa tahafuranzi, ndi wangu wa palamuha, yundu inajuhanzika wa Brazilia huo, wangwa kwenye kosiansi, aruma yiponi. Kabla imajadiliano ya jakaza kifu, o wataalam, no warenga funvu, wabadili ya nafikra, juma imada, ya uunda jumba lijoka na mabuku ya tarehe,
na walimisha imamu hadaraja ya Afrika ya Jualohe ya Nekomor. Naendelea na taarifa habari. Waziri wa handa wa Faransa Edouard Philippe kujitayarisha kwa mfumo ujao ya Vehe Jean-Baptiste Lemoyne, mdumishi wa dawla ya Faransa Hong Kong, ili huja ya hadisi wazima ni madhamana wa henti jumwe hawanjiro ivumiao lisiwa la Maore emakatiano. Narudunge mele zaidi kuhusu za barzinu wazima na metra atik. Ziro Maore zikafilisha mara ya wenji riono mara ya wajitamka husoni mwele suala linu upande wa he ukomori bine vidamae mrikao ngupulwa ni serikali ya Faransa ya jehunu zambishiha na ni prime minister wa Faransa harme misikli ya kaujibu Mansour Kamardini amwambia ukana emisio ya he duhuja ya jata shawir la he zijiri yo Maore sha kwa naulejeza wakatinga mzima eshesiwa sha Maore sha Komori ikao duali dua shirenga anzi astu za haki abonge omjwae hunu nekeni ya bandiyo kairi ya rejei ya baki uhahe ya ukana izorta hao sisi ngarta hao mahajisi ya jo buha ya jo kama venufu harumele suala la Maore zijiri yo harumwe maraia wa Maore ni kazi wa shindi sisi ngarambia we sirkali ya Komori jo tsaha wa trete izo ifaransa ikawo hashindia katushinda zitrete Maore na yabu nga bijuwe ya renge shesiwa ndiye ya trete problemu hii Komori kama wainja sure nga wajeni nro shawoi ya lone niya ya uka ya jeri fevehi ya jeri ya rende tihi nro ya badili uhuri ya wahatu na nrongozi nro jina kartuwa na hadiso jima si maraia na singar aminio kana isirkali kwa nozo na zito zima rwadunga dingoni ama deli rwadunga armeze nungo ikawa wazirenge ranzibala hata ujaleo. Honva unuo hezi jiru Maore makatianu kauzi hafirisha wanrupia ama damusa ijihadi nge mwinguni mo wa mungao muhonu ya azma ya rengwa ni dawla ya tekeleziwa ni waziri weza barzo wonze no mshirikiano suwefo Mohamed Elamin ya ukaya eviza baladur nge ladhimu wange dingohi izi mohatu narmushili. Swala la Maore hali ni zilio nge bidiori kenkonyo nzima ema siwa yomane boka wakabati media na jujwane na mchojo vira leo na hutubia wa Komori hele suala la Maore lini tika ujani junga nyebazima ne muwa hedawla njunga nyebazima ne waziri wa heza habari zabonze yukale suala ya lamba ilo ilonga siho lingoni mwahe heni uruma ya jorambia ya heni uruma rijo uruma le suala ilo beshe karjaruma gari jobjiruma nori wanienzi wanjuni wona beha yola ndobi wola jabo hahe njilewola zimanjabo hangu aukezo nona wane mano wa Komori wahimilia itadwe ziro shakifujari wanzua reme zenje mazanzo zijiri harme Komori paske shini itadwe ziro leo kesubidi bake opposition harme lerari loni wainu ngebidi opposition izimu mbabi rijuo kaya evisa bila baladwiri isaila wa Komori kaiti imdugu jua henda Komori kama ore ila Komori ukaya nyuma Maore na meleo kaya banunga si janzuani mngali heni mduga wandu walona nationalité français abonyi wandu mlo Maore gani na nationalité français hamade mgazija ne ma ne mzuani ne mumali yodi hali ndio hiyo ba Komori inu ya hatuso ntipi ya jabo kaban lezi na Komori jabo ko kerin sabe banu leo akanga abandu haya bari ma media tsiko da banzuani banu yama bamba jini ikawo ya hamba mwali yabo hama hamba fumbuni ono akawo ya hamba gazija aiwenda hamba we wana yede sela membu de namna hiyo shanga bandu wa jihadawa tsikoda hamba nzuani mbira kawo rongwa nzuani ndahu ya Dar es Salaam au ya Bushina au ya ndahu nzuani sham Komori na rentsile suala lini rodo hamba lo fumbu wansi urudisa nanga manzo na be mzungu nani wandu watada mzungu walo hunu Komori doka eba nga rumao mapesa rabo hauka garuma yabanga ruma mapesa ndabo na carte d'identité za ndabo hauka ikazwa drapo azisiwa zine emane rumisha wendi zo amana zabari za waziri wa zabari za bonzi zuya hamba garizi ya fikio kaya kabati mdujo jo ula Maore ya beho abantu clandestin hauka maorolo ulo Maore umko Mori
Kwa upande wa Mama Ladhati Kaonge Mengoni Mwanduashe wakaojitolea faida ya mkaondro wa Hekomor kati tengo mbidi huli hondi azma ya rengwa ni sirkali uhusu le suala la Maore na yengu ni suya ukaya e Maore yo ardhu ya Komor na upara wa Komor wa hemasi wa yonti wende hinya hafaida ya hemaudu ya henti na mreje wa he Maore haruma ya ardhu mzaze na rumishili. Jomba, nyesi mguwa jena amani. Sijomba haini mrulu harumashe siwa. Ranga zijara nzuani ramwali. Ritangani heha ujimlifu. Ridungane, rilaanishe itendwa shinu. Akachinu itendwa sha sirikali. Chinu itendwa sha hensi pia. Nweke sha sirikali. Siwanduwa sirikali. Akayanga siharumansi ilona sharia. Abuladhima ridunga sharia. Edhamana wahea firtrangeri. Bongo na jalo wananyaone kwa zeva mana wake hamanda e mru ya juu ka haruma ngufanyiza mladhimu tokaya wana hatumlo maore na mstahamili mkambatsi ndongozi joji hiri kapatsi ya wana mbwana nziro hautungu nziro hali nziro rahane nabiwa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam na boya stahamili mnyezi mungu amnika ushinzi na mstahamili ba mnyezi mungu joja na ushinzi amini suefu mungu joja mnikazo haba na zaurenda iye masiwa katuenda jambeka mnyezi mungu avenzi. Mada ya saya ya taarifa habari le baraza la toifa la matangazo sempea amshirikiano ni zimbawa za matangazo zikaorumia lugha ya Kifaransa kwa juendelea na mkonti ya mfumo ntitare mfukare ya Avril ujoka udhukuru ya matangazo usun mweme ndeleyo ni zimawasiliano ya nzia za internet. Narudunge mele zaidi wa zimano mwenye utefikra inu ndiani. Rankulia shabaha shinu sha panyiwa na sempea. Watse he professeur Muhammad Doye reconnu mondialement ya jaya au Nsembavi temuka audio chaisoa kwa mambo ya journalisme face aux réseaux sociaux et aux fake news idiri tafautishe baina hizi réseaux sociaux na journalistes kama mtso Johannes Hena ba banongo mbia yanza azana ngozanga zijirio wakati ya Facebook kwa mluhu heli mlungu tujuhande hanzi handabu zinji wakatinga zikreyo kubulu zinji asongezao nongo zinji mashitaka menji na mashaka menji kwa ronoka mbesiju kamwenye kema journalisti wansi pia waja wa asiste harumwe konferansi hiyo juka shabahashema shauka heli mbria juwe izo anzi hao heli mbria juwe izo lazimu ya fanya heli mbria idu konferansi voko ngeri kupe ono solima ima journalisti cha nwanazione na heli mbria njuka hanza ya jua mahiri kukiransa ujari ya shirishe heli ya ujari ya shirishe heli ya wendisa ya journalismu ya wendisa ze faida ni zilongo muhimu za hii journalismu. Kandele yaone taarifa habari Ali Amada halabisi wa amini ya mfumtano yunu harumwe mahkama ya Moroni ya ukamrumishi wa kimahkama. Hadhurme mamudaina na madhamana mbali na mbali wa he mahkama na maraia. Ali Amada halaba ya ukaya ngujo stehi ze kanuni za sharia za ladhimu mrumishi wa kimahkama ya zistehi. Ahmed Abdala Hussein na Ahmed Nasor wa kahadhir Salmata Hamidungur niko melew zaidi. Yemahafali ya mlabiso amini yanu ya kashwabaha juu ya imhu wa himamudai ya shelezize wazingare haundo zivamana za hao na ustehi wajau ubinadamu. Mwende dosiye kukata haki na tukawdi wana nigabu ya mzoi kubali gando kubali wa nige ranti ubinadamu ato tukwende dosiye zi mandao kishalia zi kawnawele Rumbinu Daniyamlo kutemukuleji, mwenjuo nonongo. Ikaweyo, dandomzo hafu, kutemukuleji wakusonga na hakama yu nile nisawa. Ye hakimu wanyumeni woyi, ngehashiri nizo zimlindao, na ngepasao hali kathalika, ya kingi ye zivamana zahai. Leoti kawutahani jinikeshwa baha, shiavunduhusu hainaba hanunjokaya, njuenda ilie ye et professeur maritime surtout ni minga mina domaine hangui kawon go djow kawde domaine ho baharini ya barini domaine maritime ikawo katambuzi nji opande wo ikawo mimi wa miti kati ziono mbavi alafu tionokana ijumkini shi hausiku wa jemana mayanuzi se
hauya tahelan fayamadai yahe mkini shama tahelan zilwa bona tukana e qualification ya avoka alafu yule ndugu ya mwandu ya kautungeza hela nifanye demand njeni prete serma ya ushinda handani wa udailia ye profession maritime e domaine maritime heze plumu zinji kama zijao abaheza baki ya mbele mnaka uzo nesa arumae alalaho ngamfikiri nifanye hazi ya madu wana ma donc wabo suwa mjubu wa kabine devoka direct suwa mjubu fanye hazi ya mina wana maika ungo wavanu wanitahara njihali rifanye hazi wadima ya muhuwa hema mudai nguparo o wanruo onti wabirilie zihazi za hao batina pendelea. Mvawasa ya wahitangarifa habari mwananu waka wafiki katiba lidhukuruo ushababi wendeli ya hunmuruni ya huwainu. Ibernamaji nunge joi unge mhunu ziangaz mazarengwa ni sirkali uhuswe maudu ya ishababi mkomor. Abdala Omar na Salim Zarkashi waka hadhir Munira Yusuf Harma unjwa maelezo. Umuhimu wa mkenti uno dewele hakatiba la vahara barnamaji ya umoja wa ushababi na uo na wajau inamna ya ulirekebesha zaidi. Zino banda ushababi ulio juma uparana na mishklu ya maesha na wakiba haukosefu wahazi. Inodema na idaula ya Komor haushirikiana na ilikunguma nyola ijumu ya madaula ya renga azma ya ubasawa ishababi harumamiva menji ya maendeleo. Nations Unies waka renge ya mwe kwa retrete waifanya mwajana waka ono ambelazimu atienzia ni proje konjuwe ndaro. Nenguwa proje konjuwe ya ni proje itanga nisao pia zi agensi za Nations Unies. Donc waka proje hama usu inetrusion kana proje haruma genre na proje hama majuene. Tewa uleo za muzika des projets conjoints et ma jeune il comme ba kala djoure fanya kabla manar kota linde et politique nationale de la jeunesse il valide et comme système des Nations Unies accompagne gouvernement élaborer politique il valide en décembre 2017 donc ba politique ya valide wa dire élaborer projet hauta usaidia isirkali utianziani et politique effectivement kaina shinda tie pia zinongoza tilo hamwa politique bengi handisa à moi c'est dire et circale à moi mise en œuvre et politique nationale de la jeunesse donc les manières en gros d'avant l'eau il est géré on est namna indine et projet ne juste d'être une attitude juste de sa idée et au shabab zingi à moi vision et circale et au c'est dire il ne fait jamais politique nationale de la jeunesse de vous échelle de aucun comor il va fiquer au mois de décembre ou à vira ici à sa toifa et au shabab et à l'humanio la usahilisha imaendele yao na uruhusu wake wa ujirengi ya dhamana haruma imiva yons. Dhamana mzima mwingoni mwa ile kungumanyo la mpira wa mdula Afrika ujulwa ha ismu ya Abdullah Mustafa gujihunre makatiano hunmoroni ya hawainu haunana na watangaza jihabari harmwe makazi ile kungumanyo la mpira wa mdula Komor harmomo na numunu ukashwabaha ya raisi wa ile kungumanyo la mpira wa mdula Komor Turki samahani Saida Ali Saida Atman haeleza haurajize faliki ya lonizu za uheza juu mpira wa mdu vantiju na rudunge emele zaidi wa jimanae. Rangwa katra kama jenga atabuja.